Bonjour le prêtre, bienvenue dans la cuisine de Sylvain. Ah si, bon, j'allais dire pas une seule note juste, mais tu en as fait. Bien joué, bien joué, bienvenue dans... Merci. J'en fais trop là. Ouais, t'as fait un peu trop là. Ouais, pardon, c'est YouTube, hein, c'est pas la forme du trop là. Oui, bonsoir. Est-ce que tu m'entends? Eh oh! Ça va bien aujourd'hui? J'ai cassé ton évier. C'est un évier éléphant. Tout va bien? Arrête de toucher. Bon, on va essayer d'être sérieux deux secondes. On se concentre. Pour expliquer. Mais dis donc, Noémie, quel est le concept? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va cuisiner. C'est vrai. Dans la cuisine. Excellent. Eh ben, on est pas petits. On est sur un concept extraordinaire de cuisine dans une cuisine. Mais ce pourquoi on se démarque, et qui est incroyable, c'est qu'on a deux passions. Comme tu peux le voir, c'est manger. Et comme tu peux pas le voir, mais c'est le cas, on aime bien faire de la musique. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo, et comme c'est sûrement écrit dans le titre? On va manger végan et faire de la musique en même temps. Et voilà. Et ça tourne mal. Bien se nourrir, c'est important. C'est important. L'été approche. On va construire le body, le summer body. Voilà, et le summer body, ça commence par... manger un fish. Voilà, et les pignons de pain. On est parti pour une recette folle, et ça commence... maintenant. Tout de suite. Cuisiner, c'est bien, mais il faut quand même savoir ce qu'on va cuisiner, n'est-ce pas? Mais oui, mais qu'est-ce qu'on va cuisiner? Bonne question. Vidéo de merde, hein, franchement, désabonnez-vous. Mais dis pas ça, c'est ma chaîne. Du coup... on part sur une recette de pâtes véganes, du coup. Voilà, les pâtes véganes. Sauf qu'en fait, on n'a pas de recette, on a juste une photo qu'on va vous mettre... pour essayer de faire un truc qui donne plus ou moins comme la photo. Absolument. Plus ou moins. Bon voilà, c'était l'explication concrètement, si vous n'êtes pas satisfait, c'est pas grave. Ce sont des pâtes au brocoli et aux champignons, avec de la crème, mais pas de la crème de... de la crème de... On va pas faire une crème, elle s'est complètement gourée en fait, on va faire une béchamel avec du lait de coco. Bon, je propose qu'on fasse une transition, on va faire les courses, et que je vous montre ma souplesse. Bon, c'est parti faire des courses chez Carrefour, parce que vlog Carrefour, c'est quand même vachement cool. Comment tu cours, ton truc? Comment je quoi? Eh oui, Jamy, avant d'inventer la roue, c'est comme ça qu'on faisait au supermarché. Si tu veux dire qu'on est au bout du rouleau? Yes. C'est pas du tout ici, les légumes. Attends, est-ce que t'es belle? Non. Donc le principe aujourd'hui, c'est... j'essaie d'improviser une recette végane alors que j'ai pas la recette. Et que je suis pas végane. Oula. Petit zoom. Attends, petit arrêt make-up. Avant d'acheter tout produit, regardez d'où ça vient. Par exemple, ici. Ça vient de Belgique. Mais c'est vrai. Un peu de sa pomme. Ah oui, c'est vrai. On peut dire que c'est la fin des haricots. Oula, oula. Ta blague, elle était artichaut. Bah déjà, on peut prendre des brocolis parce qu'on a besoin de brocolis. Est-ce que ça vient d'où? Mauvaise question. Est-ce que origine ça vient italienne. Des pignons de pain. Des pignons de pain. Go find the pignon pain. Ça c'est le genre de truc, tu ne sais pas où c'est. Il faut pas effrayer le pignon. Oula, c'est très proche. Personne ne nous connaît, Sylvain, faut arrêter, on a aucune notoriété en fait. Ouais. On a des amis, non? Un peu, je crois. Ouais, vite fait. Je suis pas sûr. On vient... ah oui, les pignons. Mais c'est pas du... pourquoi est-ce qu'on revient toujours au rayon des bières? C'est quand même catastrophique. Ouais. C'est là, c'est les pignons. Oula, les gros pignons, on approche. Attends, je comprends rien comment... eh, hey, mais c'est trop bien. On peut modifier là, attends. Tu fais quoi? Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut ou pas? Je pense qu'on a tout ce qu'il faut, ouais. Ouais. Encore une fois... ah quoi. Non. Ah si, t'as dit que le lait de coco t'avais chez toi. Oui, on a. Il y a Squeezie. Hey, on est des nouveaux collègues. Voilà, lol. Quand tu veux, on fait fitterie. On va aller payer tout ça. Je suis capable de l'oublier là, de passer à la caisse comme ça. Madame Popignon, ah oui, pardon. Voilà. Ça a été vite de faire les courses, hein. C'est long. Du coup, pour réaliser cette recette rapidement, il vous faudra un brocoli, ainsi que vert,
Ouais. Et non, c'est un chou-fleur. Mais non, c'est un brocoli. Oui, il est blanc, c'est un chou-fleur. Ah. Même. Oui. Il vous faudra aussi... deux échalotes. C'est des oignons. C'est pas grave, c'est la même chose. Tu m'as dit, je vais chercher des échalotes. Ouais, mais j'en ai plus. C'est... ah bah, deux oignons, voilà. Ah ouais, eh ouais. Des la pâtes. Pasta. La maracasa. Non. Des pignons de pain, si vous êtes fan. Vous pouvez mettre d'autres trucs aussi, hein. Ouais, c'est pas vidéo. Et un bon panier de champignons. Ça s'en fait tout. La première chose à faire, ça va être de cuire le brocoli. Le mieux, c'est de le faire dans l'eau, comme ça, c'est pas trop gras. Et du coup, nous, on va le faire à la vapeur, parce que c'est comme ça que c'est. Toi, mieux. Tu vas le faire à la vapeur. Parce qu'il faut savoir que je ne sais absolument pas cuisiner, et que c'est Sylvain qui va cuisiner, et qui va m'apprendre, tâcher de m'apprendre à cuisiner. Oui. On a de l'eau. Oui. On a le plateau. Oui. Panier. Couvercle. Excellent. Donc on part sur la découpe du brocoli et il y a tout qui s'en va. Chanson. Le brocoli dans le compost, voilà. Je crois qu'on va mettre 10 minutes un truc ainsi. En attendant, on peut chanter une petite chanson. Voilà. Et on pousse la chansonnette. Et voilà, la chansonnette elle est poussée. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Champignons, je n'avais jamais épluché de champignons. Ça même pas que ça s'épluchait un champignon, si, pour si. Être honnête. Music pendant qu'on coupe les champignons. But here I am, and I can seem to see a street. But I'm too numb to feel right now. Watching the clothes that's taking away my time. I'm too numb to fear right now. Just tonight I will stay. T'as pas des lunettes de piscine sous la main? Ah non. C'est fou. Attends, là, je suis plus preneuse, je le fais direct. Comme je suis maquillée, faudrait quand même pas que ça coule, tu vois. Marchand de vieux fées. À tous les Français, est-ce que ça existe chez vous, ça? Machine à laver, vieille tondeuse. Mais barbecue. Faire à repasser.
On va pouvoir commencer la cuisson. On commence toujours par les oignons que vous coupez préalablement, évidemment, comme ça, en petites soupes. Et puis les champignons, ensuite le brocoli. Et voilà. Et en même temps, vous pouvez déjà commencer à faire chauffer votre eau pour les pâtes parce que faut quand même que ça cuise. Interlude musical. Encore. Est-ce qu'on va vraiment vous dire comment on cuit des pâtes? Les pâtes, retenez ça toute votre vie, 125 grammes par personne. Donc 125 grammes. Moi, c'est 500 grammes par personne. 500 grammes par personne. Écoute le brocoli, j'en t'aime. On va rentrer dans le moment un peu plus technique de la vidéo. On va faire une béchamel vegan. Alors, normalement, la béchamel, c'est fait avec du beurre, de la farine et du lait. Est-ce que le beurre, c'est vegan? Non. Est-ce que... Abonnez-vous. Le lait, c'est vegan? Non. Donc, on va remplacer ça par autre chose. En fait, le beurre, il y a juste besoin d'une matière grasse. Donc, on va mettre de l'huile d'olive. Et à la place du lait, on va mettre ici du lait au coco parce que ça colle bien avec les petits légumes qu'on a. Donc, on commence par mettre un peu d'huile d'olive dans le fond, là, les petites casseroles où on fait la béchamel, ainsi. Une fois que ça a un petit peu chauffé... J'appuie juste sur le gros bouton milieu. Ça va pas exploser. Non. Okay. Revenons à nos moutons. Donc, il faut mettre de la farine sur l'huile d'olive, comme ça. Le but, c'est d'avoir une sorte de pâte. Voilà, même, ça marche très bien. Et à partir de là, là c'est simple en fait. On va simplement rajouter progressivement notre lait de coco qui est là. Faut pas tout mettre d'un coup. Faut laisser le temps au truc de s'incorporer et tout. Oui, ça prend des textures et des allures insoupçonnées. Travail d'équipe. Il faut incorporer le lait. C'est pas mal. On a les pâtes, on a notre béchamel, on a les légumes. On a les assiettes. Il n'y a plus qu'à. C'est très satisfaisant. Bon, on part sur un test. Ah ouais, est-ce que c'est bon ou pas? Moi, ça me goûte bien, tu sais. C'est pas mal. Je pense que c'est validé. Complètement. Je confirme. On va se dire au revoir sur cette magnifique assiette de pâtes. J'espère que ça vous aura plu. Manger la musique. Bon. La base. Parfait. Si ça vous a plu et que vous voulez qu'on fasse peut-être un... Un deuxième épisode, who knows, j'ai mis des trucs partout. Bah likez et dites-nous en commentaire si ça vous a plu. Parce qu'on a encore plein d'autres passions à partager. Abonne-toi. Party, fête.